Salut, aujourd'hui c'est mardi. Je me pose beaucoup de questions quant à l'utilité de ces vidéos. Je me demande si ça va avoir l'effet escompté. Je me dis, mes enfants ils vont peut-être se faire chier en regardant des 20 000 vidéos de leur père qui déprime. Donc voilà, je vais essayer un peu de remonter le ton sur ces vidéos. Parce que bon, quand j'ai regardé récemment les dernières vidéos que j'avais mises, j'ai l'air d'un gros déprimé de la vie et tout. Mais en fait, ça va, je vais bien. C'est juste que voilà, c'est pas évident de voir ses enfants partir dans un autre pays, quoi, mais ça va, je vais bien, et donc je me dis que voilà, mais les enfants, ça va leur faire chier de regarder 20 000 vidéos de leur père en train de pleurer, en train de se dire, la vie est triste, mes enfants. Non, ils ont besoin aussi de voir que leur papa, il va bien, et que voilà, je suis en pleine forme. Aujourd'hui, c'était une journée dure, dure. J'ai commencé à 7 h du mat ce matin, et là, il est 23 h 40. C'est AFD Shift, All Fucking Day. Parce qu'en fait, en ce moment, on prépare le budget. Avec Carlos, on est en train de préparer le budget pour l'année prochaine. Donc, il y a plein de trucs, faut évaluer tous les costs et tout ça. La payroll, la dinner captivity, breakfast captivity, l'occupancy, energy cost, voilà, prévoir une augmentation du gaz de 20%, de l'électricité de 11%, tout ça. Enfin, il y a plein de calculs à faire et tout ça. C'est bien prise de tête. D'un côté, c'est bien parce que voilà, ça donne les grandes guidelines pour 2009. Donc, c'est bien sympa. Mais c'est bien galère. Surtout quand tu passes 16 heures dessus, quoi. Donc voilà, ce matin, on a eu un vol dans l'hôtel. Il y a deux gars qui sont arrivés, tout costard, cravate, bien, tout propre et tout. Puis à un moment, il y a un client de l'hôtel que je connais, qui me dit, ah, mais il y a un des deux gars là, j'ai vu, il a volé un portefeuille dans un sac et tout. Alors après, tout le monde lui a couru après sur parking, il est parti en la rage dans une voiture. Ça a mis de l'ambiance, c'était sympa. Après, il y a les flics qui sont venus et tout. Mais bon, le gars qui s'est fait voler son portefeuille, il est parti en nous remerciant. Moi, j'ai jamais vu un gars aussi content après s'être fait voler quelque chose. Ah, vous remercierez votre staff et même vos clients, ils m'ont aidé et tout, c'était cool et tout. Donc voilà, le gars, il était content même s'il s'est fait voler son portefeuille. Donc c'était marrant. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, comme j'ai passé 16 heures au boulot, j'ai pas encore eu le temps d'amener un carton dans ma nouvelle maison. Donc c'est super, je pense que je vais faire ça demain après-midi si j'arrive à me libérer assez tôt. Parce que pour l'instant, dans ma nouvelle maison, à moi, il y a ma télé, ma couette, ma guitare, et c'est tout. Donc voilà, il faudra que je ramène toutes mes autres affaires. Voilà. Ciao, à bientôt.